Alors. Ah oui, ce sont les prélèvements de M. Gontran pour son spermogramme. Comment je fais ce rangement? Qu'est-ce que vous avez encore, Anne-Gaëlle? Ah, écoutez, je sais pas ce qui m'arrive, Olivier, mais là, tout d'un coup, je me sens ballonnée. Vous avez appelé? Non, c'est mon estomac. Ah, oui. Vous stressez, Anne-Gaëlle, vous stressez, voilà tout. Vous voyez? Eh oui, vous devriez prendre du yaourt nuit de la fausse pub. Tenez, regardez ce schéma, n'est-ce pas? Ceci, c'est votre estomac. Ceci, c'est du yaourt nuit de la fausse pub. Le yaourt nuit de la fausse pub, entrant dans votre organisme, agit sur votre estomac. Bah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça, Olivier? Qu'est-ce que c'est que ce schéma-là? C'est une maquette de Dunkerque sur laquelle je travaille depuis 2 mois. En baguette de restaurant japonais. Vous savez combien il y a de baguettes de restaurant japonais, Anne-Gaëlle? Non, bah, écoutez, Olivier, vous vous égarez, là. 24 852 pour le moment, et je ne suis que dans le premier arrondissement. Mon estomac, Olivier. Oui, pardon, excusez-moi. Eh bien, en effet, voici maintenant le yaourt nuit de la fausse pub avec de vrais, bons et gros morceaux de fausse pub à l'intérieur.